Jean Santé annoncé depuis la campagne président Jovenel Moïse, il était fait qu'on est avant qu'elle quitte le pouvoir, la baille courant 24 sous 24. Eh bien, journée jeudi à même, Moun Jacmel et Moun Gregoav témoignaient qu'il y a 18 temps courant chaque jour. Côté que yo pral fonctionner en toute sécurité parce que depuis yon côté gen fait noue donc li rale plus insécurité ti moun yo ap ka étudier pi bien et au même tout yo capable aller vendre les soirs parce que courant bail depuis 6h du soir pour jusqu'à midi nan maté. Entendez quelques paysans qui t'ap témoigné ba nous depuis nan 6h du soir li la pour bon à midi. OK, par contre moi pour marcher très bien d'assurer vous nous même et cap servir dans courant nous prend responsabilité nous et puis pour nous toujours gain courant ça c'est un bagage qui fait nous plaisir, ça c'est un bagage qui fait que nous content au niveau Gangouab. Ça permet tout et les vieux capable de joindre notre courant pour fonctionner, le capable de notre courant pour étudier le soir et marcher nous tout capable de joindre notre petite façon parce que tout pour capable vendre bon la rio capable vendre et petit de glacé ou tout ça. Ça, son bagage fait nous plaisir au niveau de voir. Je vous souhaite pour vous avoir plus d'énergie à tout parce que vous avez des gens qui ont fait la caille, qui ont fait des glaces, qui ont dégagé. Les bagages ont fait la zone plus désolée. Tant que vous avez une réaction de Jacques Mel, pas différent. Vous faites connaître ça pour une amélioration dans le fonctionnement, dans le loisir et puis l'économie. Vous avez eu un bon 6h après-midi, vous prenez à midi. Là, avec des livres plus bons, parce que là, nous ne pouvons pas dire que nous avons fait 3-4 jours, nous ne pouvons pas dire courant. Même là, nous avons fait un petit courant là. Là, ça, c'est au cinéma, parce que nous avons entendu tout le monde après dit bravo, bravo, nous avons courant, nous avons courant. Mais nous avons fait un courant. Nous courant. Ailleurs, tout le monde est malheureux, c'est glace qu'on a acheté maintenant à friseur. Pour nous, là, j'ai même posé tourner pays étranger. À même moment, nous avons débloqué friseur. À même moi, on va acheter un pied avec côté Jacques Mel là, faut mettre dans l'eau pour brûler. Mais ailleurs, pas comme ça. Donc, chaque jour, si vous la télévision, vous regardez, si on voulait étudier pendant le coup de l'école là, vous pouvez étudier. Parce que sans lumière, tout le monde ne va pas étudier. Les autorités ont été constatées. Parce que tout le temps, il y a des cours dans le pays, il y a des grands piles qui ne sont pas faites. Il y a des gens qui ont été faits, des critiques, parce que c'est au monde qui a eu la lumière. Mais il n'y a pas de cours, il y a des gens qui ont fait ça. On a gagné ça, on a commencé avec les gens de tuer. Moi, je suis là, 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 je suis là. C'est ça, la autorité. J'ai appris à faire ça. La police démantelé un réseau nègre qui a fait faux papiers ou bien faux documents et faux sauts pour vendre les gens. 8 nègres, n'importe papier ou besoin, ils ont baoli. Yo même ka ba ou certificat de bonne vie et mœurs, la police présente visage monsieur sa yo et fait yo parler. Et il y a une arrestation qui fait tout dans le cadre, l'enquête qui ouvrait soit tout double domicile, pasteur Jean-Louis François avec madame Lé, qui c'est madame Sava, eximant lui. Et où est-ce que tu as fait ça? Là, nous avons souligné tout au début, la fin des disciplines, et sens de professionnalisme, tout journaliste qui est là dans la conférence de presse spéciale s'agisse. Donc, on apprend seulement après la conférence de presse là, est-ce que le sujet n'a gagné aussi après seulement 3 questions et après un modérateur capable d'identifier les médias qui
poser question. Ça que Maxime Gérard, nous, à son confrère, concerté. Nous avons changé le 6 juillet 2018 dans l'Académie 3. Pendant une situation de trouble, et nous avons changé comme ça, et mon policier, il était nourri. Ce policier, au maire, Scott, 18e promotion, PH3, qui a affecté dans BAP, et dans la cachetée, c'est une unité d'intervention qui est dans la pénétration nationale. Monsieur Mindé, James, sans peur. Monsieur Céline Namou, qui est indexé dans l'assassinat des policiers, le maire, Scott, 18e promotion, le 6 juillet 2018, de la carrière 3. CPJ a été le 1er novembre et fait partie d'équipe membre du 400 Marozo et la clameur publique dénoncé monsieur comme monde qui non, fait partie de 400 Marozo en nord prochain. Armes qui saisit au niveau de la direction départementale de l'Ouest. On a de plusieurs calibres, après 12, on a pistolets de calibre 9 mm et d'autres calibres, et on a tout deux armes d'eau artisanales. Alors, ça, c'est dans les quatre opérations qui sont faites au niveau du commissariat et qui sous commandement et direction départementale de l'Ouest. C'est ensemble des armes. Entre autres, moi t'as voulu porter un élément de réponse, à savoir question. Juma. Juma, c'est ce que ce policier qui est mort dans le temps fait opération dans l'hôtel sous Delma. Et moi crois que le porte-parole policier t'a parlé de ça. Et moi pas pour le moment qu'on est qui dernière évolution. Qui fait que nous sommes en mesure pour nous porter une réponse pour le moment à question ça. Sous même cause insécurité ça, ministre justice là qui c'est Rockefeller Vincent te bail une conférence de presse jeudi à même. Il fait qu'on est affaire bandi cap taille banda ça. Donc ça cap vini yo là, c'est pas bagaille ici parce que c'est zéro tolérance qui pral gagner. Elle fait appel avec la police pour dégager au pressé prendre toute responsabilité yo une façon pour population ka vivre et fonctionner en toute sécurité. Pour le dossier Evelyne Saint-Saëns, dans ce dossier la jeune écolière sauvagement assassinée le dimanche 1er novembre, son cadavre a été découvert sur les détritus à Delma 24, le juge de paix de Delma, maître Jean-Fleury Raymond, a procédé au constat du cadavre. Après ce constat, le parquet de Port-au-Prince a donné délégation de pouvoir à la DCPJ pour approfondir l'enquête. Le nommé Obed Kiki Joseph a donc été arrêté lundi 9 novembre à 3 heures du matin
à Delma 24, une opération de la PNH a permis de mettre la main au collègue de Éval Dormesson et Michel Jerry Domersan pour leur implication présumée dans l'assassinat de la jeune écolière. Ils sont tous passés aux aveux. Mercredi 10 novembre 2020, le CG de Port-au-Prince a adressé une correspondance au docteur Armel Demorcy qui a réalisé l'autopsie du cadavre. Un gang armé a été démantelé à Gromon, zone Tidavi. Ce gang a tiré sur le cortège de la première dame sortant de Port-de-Paix pour rentrer à Port-au-Prince. Le chef du gang, Verdeus, après Dieu, alias Thibout, a été arrêté au Gonaïve. Donnel Souffrant, un autre membre du gang, a été arrêté à Grepin. Ces malfrats ont aussi participé dans l'assassinat d'un inspecteur de police à Bassin-Bleu. Le 4 novembre dernier, Jean-Patrick a été arrêté pour enlèvement et séquestration. Ce dossier est au cabinet d'instruction et j'ai eu des rapports sur une kyrielle d'autres cas similaires. Donc, travail là a continué sans prendre souffle. J'exige de la PNH de lancer une opération tolérance zéro contre le kidnapping qui décapitalise toutes les couches de la société et qui nuit à la quiétude d'esprit des citoyens paisibles. La PNH doit identifier les foyers et réseaux de kidnapping et agir efficacement et professionnellement afin de mettre ces truands hors d'état de nuit. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est là que nous finissons avec un bulletin d'information pour Jodia. C'était Zami Pau, Foucault, Zami Information, qui t'aborde tout ça qui t'a fait actualité dans le pays d'Haïti pour Jodia. Rendez-vous cassé pour demain si Dieu veut. Déjà, passez une bonne nuit. N'a croisé une autre fois.